Nous à sous plateau Espérance TV et c'est un plaisir pour moi d'animer émission Tala Anticosé Épigration. Je les remercie toute en équipe qui mobilisait pour Anticosé et je les dis bravo. Je les parle de mode et Jitendra et puis Axel qui là comme jeune stagiaire et ça a bien m'a félicité yo et puis gros coucou bah Claudine Tenitri. Nous avons dit toute équipe là, bon courage et puis on nous avance. Je vais profiter pour saluer la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin qui a suivi l'émission Tala, par côté la France aussi, les États-Unis, Haïti, un petit coucou à Serge, et puis nous avons dit tout ce monde, Chebefo. Je vais aussi saluer les auditeurs d'Espérance FM qui ont écouté l'émission Tala et puis qui ont encouragé nous. Gracien, bienvenue dans les plateaux Espérance TV. Merci pour accueillir ou quoi faire moins, mais c'est un plaisir qui partage parce que chaque fois que je viens dans le plateau, j'ai une grande émotion parce que c'est ça où je suis rentré à la rencontre de tous les téléspectateurs, même dans le monde entier, les gens qui regardent l'émission tout partout. Et pour que ça soit un gros charge enlevé pour nous porter parole là, aller la terre, et ça c'est une grâce bon Dieu qui a fait nous. Alors je fais un grand coucou et je dis à tout le monde qui bon Dieu béni, merci. Merci. Nous, on dit dans le grand thème, là, hein, le repos en Christ. Nous sommes gratiens, pas ni véritablement repos si ce n'est pas Christ. Et c'est pour raison que le thème est passionnant et vraiment important. Après avoir nous parlé le prix du repos, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler et vini à moi, vini par côté moi, venez à moi et nous allons développer tout ça pendant ce moment-là. Pour nous commencer, gratiens, prier. Papa Dieu, nous allons remercier pour bonté ou pour grâce ou qu'a fait nous et surtout pour l'occasion ou qu'a ba nous d'y pencher comme nous en les paroles là pour nous ça comprendre ça ou le dit nous et pour nous ça porter ba les autres pour tout le monde connaître bonheur joie paix et puis salut en Jésus. Oh bon matin nous commandons souple Seigneur. Voyez le Saint-Esprit pour éclairer nous, pour guider nous, pour conduire nous, pour nous pour arriver à comprendre et puis pour nous préparer nous pour la maison du Père. Nous prions en nom Jésus. Amen. Amen. Vini à moi, ça c'est parole Jésus. Le grand maître. Oui, et texte là, on nous lit, on dit dans Matthieu chapitre 11. Verset 28. Eh bien, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, l'on a regardé le texte à la grâce, c'est un texte formidable. Et on dit dans le contexte là, nous ne pouvons pas vivre là, nous ne pouvons pas vivre dans un contexte qui est speed, et des gens chargés en bas poids, en bas travail, en bas activité. Donc, on peut fatiguer physiquement, moralement, intellectuellement, tout cela mentalement. Donc, est-ce que ça c'est un belle promesse pour toi? Ah, mais c'est une promesse extraordinaire. Et puis, je me rappelle que de tout maintenant, le début des évangiles, le Nouveau Testament, c'est un seul monde qui osait fait déclaration là, c'est le grand maître, c'est Jésus qui vini, c'est l'envoyé du Père. Jésus vini à sous la terre maintenant pour porter fardeau nous, pour ba nous un peu. Et donc maintenant, il a fait une déclaration magistrale ici, il a dit venez à moi. Vini à moi donc tout qui fatigué et puis qui chargé. Alors, dans quel contexte justement Jésus a fait déclaration là? Eh bien, Jésus a fait déclaration à là dans un contexte extraordinaire. Parce que là, nous regardons le chapitre 11. Il a parlé que Jean t'a entendu une parole Jésus en prison. Il t'en a Jésus qui a fait. Et puis, comme il était douté, il voulait demander à Jésus, est-ce que c'est vous qui doit venir? Jésus donc présentait, allait dire, ça moi qui a fait. Ensuite, Jésus commençait à faire reproche. Là, nous lisons le verset 20. Il a dit, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait lieu la plupart de ses miracles
parce qu'elle ne s'était pas convertie. Mm-hmm. Donc, nous allons rappeler que dans Matthieu chapitre 5, Jésus commençait le ministère par une grande prédication, un grand éloge, un grand enseignement. Et dans l'enseignement, il essayait de faire que nous comprenions que c'est lui qui l'envoyait du Père, c'est lui qui vient pour porter le fardeau, c'est lui qui vient pour livrer le corps, c'est lui qui vient pour montrer nous visage papa. À qui ça papa y a ressemblé et qui l'enseignement papa y baille l'humanité en déclaration extraordinaire. Alors nous voyons que là aussi les Jésus prononçait ces paroles qui étaient quand même assez raides et contre ces villes et Tala. Oui. Et nous voyons qu'il fait association et puis Sodome. Et puis Sodome. Et il déclarait même que les habitants de Sodome au jour du jugement qu'ils frappaient moins sévèrement que ces villes Tala. Or Sodome par maintenant, glorification, personnalisation, Jésus le Fils de Dieu, réaliser des miracles. Donc, en ces villes-là, yo ouais Jésus en personne, yo tant Jésus, yo ouais, yo tant d'enseignement. Jésus dit, maintenant malheureusement, vous pas converti qu'aux autres. Alors, Sodome qui parle moins, peut-être il a une énergie moins qu'ils ont. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à présent de ces villages du jour? Et mon quoi nous dépasser Sodome et Gomorrhe, est-ce que pour Mestala, qui est fait, il n'y en a nous, et est-ce que vraiment, il a concerné nous aussi? Mais véritablement, alors que nous, le peuple chrétien, nous n'y la chance d'y la Bible pour nous connaître les voies de Dieu, pour nous découvrir Jésus-Christ, il me semble que nous plus fatigués, nous qu'à alloudi, qu'on nous dit plus pardon. Alors que, à l'époque, rappelez-vous que le peuple juif tenait le joug romain. Il tenait le joug romain. C'était donc maintenant, il était diminué. Il n'y pas de liberté, il n'y pas de rien. Il était colonisé. Mais alors que nous vivons dans un pays libre, il me semble que nous n'y plus fardeau qu'à traîner, qu'à porter. Fardeau de l'orgueil, fardeau de la convoitise, fardeau du péché, de la concubinage, fardeau ceci, fardeau cela, fardeau du travail. Nous les toujours ni plus, etc. Alors donc, nous prie. Oui, l'on regarde et appelle à là. Oui. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, Pouchi, il faut que nous déposions Faudo nous. Et Faudo, tu as là, on va qualifier de qui ça? Là, nous avons parlé, Jésus qui a parlé ici, il y a deux Faudo. Jésus qui a parlé de Faudo physique, psychique, mental, spirituel et tout cela. Tout ça a fait un seul fardeau, un package. C'est un package. Maintenant, mais le point numéro un pour considérer en disant cela, c'est le désastre. C'est désastre-là, péché qui a commettre. Péché a non seulement qui a séparé de Dieu, il a éloigné de Dieu, maintenant, il a coupé toute communication, et puis, ouais, puis bon Dieu, péché a, maintenant, mais il a greffé, quand nous, à dans une étude, nous fait, et il nous parlait de racines, le figuier maudit, ou quoi, changer ça. Oui, là, oui. Nous parlait du figuier maudit, là, où il fait racine, racine, il descend en terre. C'est-à-dire que des racines d'amertume qui entient l'être humain qui a été à l'opposé du bon Dieu, à l'opposé du relation avec le prochain, et puis il a vivre maintenant, puis bah, Satan gloire, alors que nous vivons pour nous battre, bon Dieu gloire. Oui. Et alors c'est tout ce fardeau là. Et Jésus a dit, maintenant, venez à moi. Mais avant Jésus dit, venez à moi, Jésus a dit, considérez maintenant les villes du passé et dit auxquelles l'Éternel portait un jugement par rapport à mauvaise conduite. Mais autres, Josh et Corazin, Zot Sidon, Zot Tyr, etc. Maintenant, Zot, ouais, gloire, bon Dieu, paraît à un ministère Jésus. Nazareth, toute la contrée, maintenant, la Galilée, tout cela, yo ouais, ministère Jésus-Christ, Cana, ville de Cana, yo ouais, premier miracle Jésus, yo ouais, tout ça. Alors Jésus a dit, yo maintenant, Zot, ouais, tout ça. Alors, là, nous t'en appelons là, et venez à moi, venez à moi. Est-ce que l'appel t'a là est important? Et si important, est-ce que ça n'a pas demandé nous déjà de reconnaître et puis prendre conscience des véritables conditions nous, jour de jour, avant nous aller à Christ? Oui. Alors, donc c'est là où venez à Jésus, finalement, quoi, ou à condition. Parce que condition là, mais. Si vous ne pouvez pas faire un bagage avant, vous ne pouvez pas faire. Parce qu'il y a une théorie qui dit qu'il faut tout nettoyer le corps. Faut tout propre le corps pour venir à Jésus. Jésus ne peut pas accepter au moment où il est là. Faut tout nettoyer le corps. Ça m'a dit, en amont, on est l'Esprit bon Dieu qui a
parler bon premier travail là. Ça montre comme quoi que exact, ou pas bon. Oui. Ou pas bon. Oui. Oui, c'est l'esprit bon Dieu. Et nous toujours dit que l'esprit bon Dieu qui travaille, mm-hmm. on dit dans conscience où hein, donc montre pour montre le bien et puis le mal. Donc il y a un dualisme, il y a une lutte. Mais là attendre et puis oui qu'on est là et pour dire ben bon, ça en fait moi-même peux pas faire rien dit comment, mon cas vient avancer. Oui, et vraiment texte là important, il belle mm. et qui a dit vini, vini. Et puis après, vous croyez pour un repos, et puis après, il a dit comme ça, mm. eh bien, pour un joug moins ouais. à sous. Alors, maman, la signification, joug là, c'est qui ça? Vraiment, pour ces mots-là qui écoutent nous, puisque ces mots-là, c'est, ouais. c'est des mots, il faut que nous clarifions. Un joug, c'est un pièce bois mm-hmm. qui travaille, hein, et puis pour mettre, pour atteler des bœufs ensemble. Mm-hmm. Hein, oui. hein, pour travail. Pour te labourer. Ouais, pour travail. Mais il faut toujours là bien mesuré et bien calculé, bien agissé pour yon de ces bêtes là pas tirer, non par les propres, yon pour fatiguer. Mais pour aller en même direction. Pour aller en même direction. Et des fois aussi, ou quand on voit qu'on se trouve là, pour yon pas aller ni à droite, yon comme étant visé au bas, pour yon pas voir exactement quand c'est chemin. Alors, je là là pour ça. Sans pièce de bois, qui yon pas placé derrière coup. Oui. D'ailleurs, coup. Mais c'est intéressant, et puis ça n'y a l'instruction à dedans. Et puis. Alors maintenant, ou physiquement, qui ça qui joue là, mais pour Jésus, est-ce que c'est Ikabano en joue pour forcer nous, pour obliger nous? C'est qui ça? Non, mais moi, l'avantage, moi, l'avantage de lui pour moi, savoir que Jésus, même qui a dit, prenez mon joug, c'est lui qui t'a fabriqué le joug. Adam, atelier, papa Joseph. Mm-hmm. Et nous savons, là, Jésus est capable, tant qu'il faut un travail, travail là, t'es capable. Jouk là, Jésus a dit nous, point là, maintenant, c'est qui ça? C'est Hello. finalement, maintenant, c'est, nous peut dire, c'est grâce, bon Dieu, qui a placé en nous pour aider nous, pour conduire nous, pour nous faire volonté, bon Dieu. Mm-hmm. Maintenant, là, nous avons décortiqué Jouk là. Nous quand ouais jour là c'est moyen qui ca permettre deux bœufs atteler ensemble pour produire un travail et jour là ici a ca symboliser les commandements bon Dieu qui ca ouvert yeux nous pour montrer nous le bien et puis le mal et puis pour aider nous à mieux connaître Jésus discerner oui, oui pour mieux connaître Jésus parce que maintenant il est écrit, c'est tout l'enseignement de la parole de Dieu. Mais Jésus qui a placé jour là, pour qui a placé derrière nous, mm-hmm. on savent dans les évangiles l'expression le couad. Vous connaissez ça? Oui, oui. Le couad, c'est-à-dire c'est l'homme qui rebelle. Il est le couad, il est en plein à désobéir bon Dieu. Laisse mon Jésus placé jour là. Jouk là, c'est pour canaliser chemin pour mettre dans le droit chemin. Alors, Somme 119, verset 9. Comment y a un homme maintenant qui peut reconnaître chemin? Comment le jeune homme qui peut reconnaître sentier pur? Bible a dit, c'est en se dirigeant d'après ma parole. On nous prend par exemple et Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27. Oui. Pour garder et qui ça qui a passé Matthieu, ici à là? Verset 25 à 27, oui. Nous calons. En sortant là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu les as révélés aux enfants. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut se révéler. Et puis, Icadoum, verset 28 là, venez à moi. Venez pour connaître la révélation du Père, venez pour connaître qui ça m'a dit, venez pour savoir qui ça m'a dit. En réalité, là, on contacte et puis Jésus, c'est pour ou trouver révélation du Père en Christ. Assuré. Et c'est ça que Jésus vient faire. Assuré. Et c'est pourquoi Jésus a pressé. Mais ici, vous avez remarqué que le verbe là à l'infinitif, mm-hmm. venez. Et c'est un commandement. Et Jésus a dit ici, c'est un impératif, venez à moi. Alors, quelle différence on va faire en dit dans des versets là, verset 28 et puis verset 29. Mm-hmm. Hein? Et qu'à nous,
venez, et puis prenez, ouais, c'est encore, prenez mon jour. Oui, oui. Prenez mon jour. Ouais, ouais. Là, point, c'est-à-dire, Jésus te peut placer, bon, hein? Jésus te peut placer, bon, mais comme il n'y a pas qu'à faire rien, si ce n'est pas par consentement, parce qu'il crée au libre, oui, mais qu'il accepte, et c'est pour ça que Jésus a dit, dans Luc 9, au verset 23, maintenant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, notre expression, se charge chaque jour, dit ça quoi, et il caille sur moi ensuite. D'accord. Est-ce que tu soulignes un paragraphe là qui était important avant de passer à un autre paragraphe? Et il caille comme ça que le deuxième impératif là, c'est laisser corps instruit. Oui. Hein? Oui, fait référence à ce même concept. En grec, la notion d'instruction est liée au statut de disciple. Et qui a dit, lorsque nous apprenons à Jésus, lorsque nous apprenons de Jésus, nous sommes vraiment ses disciples. Et puis, moi, souligner l'obéissance. L'obéissance et l'engagement sont des caractéristiques des véritables disciples. C'est donc, deux mots très importants. C'est important. Donc, nous croyons donc, le jour là, non seulement pour relier deux entités pour équilibrer, mais le jour que Jésus a, c'est pour conduire nous. Parce que le désir de Jésus conduit nous, non pas vers maintenant la fatigue, mais vers le repos, vers la restauration de l'âme et vers le salut éternel. Oui, alors, regardez Jésus qui a dit comme ça, prends un joug là, et puis au verset 30, il a dit, parce que joug moins il doux et fardeau moins léger. Mais grâce à ça, pas qu'à aller ensemble. Et ça, pas qu'à aller ensemble. Qui menait un fardeau sans poids, qui menait il peut être doux, c'est au gars dit nous, et puis qui menait il léger. Alors, nous avons deux mots là qui sont importants, douceur et l'humilité. Oui. Est-ce que ça parle ensemble? Parce que des fois, l'air ou l'être est humble, il y a des sentifiettes, ou bien pas de courage, ou pas de force, etc. L'eau doux, il y a des non, il faut qu'on utilise plus de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça? Eh bien, donc, maintenant, nous croyons à travers la personne de Jésus, ces deux qualités là, maintenant, étaient essentielles. Étaient essentielles. Et ça, c'est qu'à manifester tous les jours en la vie de Jésus. Douceur. Je ne pense pas ni un monde à sous la terre et auquel il a maltraité, il a injurié, il a insulté, il a craché en visage ni contre Jésus-Christ. Et cependant, Jésus gardait toute douceur. À aucun moment, Jésus n'a pas énervé. À aucun moment, Jésus n'a pas fait ses pieds à terre pour faire un acte d'intolérance, etc. Jésus restait doux et puis humble. Alors, qui s'en a dit, c'est mon nom qui a coûté et puis gardé l'émission pour dire comme ça, mais oui, qui m'a dit, il peut intégrer des mots là, des qualités douceur, là, douceur et puis l'humilité en disant. Est-ce possible? Douceur et puis humilité. Et c'est ça possible. Et c'est ça Jésus est venu pour enseigner nous et puis pour apprendre nous faire. Parce que si nous pas fait ça, nous à côté royaume là, nous pas dit dans royaume là. D'accord? Parce que ces deux mots là, c'est lui qui a caractérisé maintenant l'adhésion au royaume. Et c'est ça nous à dans Matthieu chapitre 5 et Jésus présentait les principes et puis les bases du royaume. Oui. Les bases et puis principes royaume là, il contraire aux bases et aux principes des royaumes terrestres. Et c'est pour ça que Jésus dit comme ça. Et je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire une ouverture pour aller sans crainte. Parce qu'on y contacte et puis un monde qui est rempli de douceur et puis d'humilité. On nous prend trois textes à la grâce. Matthieu 5, verset 5. Et puis 1 Pierre 3, verset 4. Et puis, si on est en nous croyons Isaïe 57, verset 15. Matthieu 5, verset 5. Nous connaissons le texte là. Il a dit, et ouais. Les débonnaires, et ils hériteront la terre. C'est-à-dire les doux, les humbles, ils hériteront la terre. Très bien. Maintenant, puis, nous 1 Pierre 3, verset 4. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est donc un grand prix devant Dieu.
La porte ici a adressé aux femmes, il a dit yo, mais pas essayer ni en parler extérieur, tu avais tressé belle visage femme pour montrer qu'on est un bon monde. Et alors, c'est pas ça qu'on montre devant bon Dieu, mais c'est l'intérieur, la parole intérieure, c'est un cœur aimant, un esprit à femme. Et qui ça qui a fait travailler dans l'endit dans nous? C'est l'esprit, le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est pour ça Jésus a dit venez à moi, laisse Jésus venir en vous, parce que désir Jésus, c'est en train de chez nous. Là nous il y a dans Apocalypse 3 verset 20, il a dit moi tiens comme à la porte. Mais la porte là c'est la porte chère. Si un monde quand t'en voit moi, m'en ca frapper, il ouvert, m'en ca rentrer en didon. Et c'est ça maintenant qui le miracle Jésus qui a rentré en didon par le Saint-Esprit. Essayez imaginer Gratien, le monde aujourd'hui. Et puis Jésus en didon chez tout le monde, là aller faire commission mon âme n'est qu'à accueillir à la caisse. L'on là dans le bureau, ou comme on a la douceur et puis l'humilité, l'on a le travail patron, mais mon temps là c'est un monde formidable. Mais c'est un monde formidable. Mais Dieu merci. Dieu merci. Même si nous péchons corrompus, mais nous avons la grâce de Dieu et puis l'esprit de Dieu qui a travaillé en disant il y a des gens qui laissent se soumettre. C'est-à-dire des gens qui répondent à l'appel là, venez à moi, vous venez à Jésus. Et c'est des gens qui tenaient un caractère très colérique, des personnes, des gens qui partaient maintenant ni tolérance ni rien, et puis nous commençons ces gens-là là humbles de cœur. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la grâce, la transformation d'esprit qui a opéré en dedans. Et nous croyons que, par exemple, dans 2 Corinthiens 10, verset 1, et Paul qui a présenté quoi? Oui, qui a mis l'accent à sur la douceur et la bienveillance du Christ. Et la douceur et l'humilité, ce n'est pas des qualités premières que c'est mon nom qui en met des ordres. Exactement. Que elle a cherché. Et c'est ça. Mais c'est exactement cela. Et alors donc, dans le Nouveau Testament, on a lu en phrase là, Jésus est souvent présenté comme le second Moïse. Il expose les principes de son royaume du haut de la montagne, comme Moïse montait du haut de la montagne pour équilibrer. Miraculeusement, il offre de la nourriture à la grande foule, etc. Et puis, Jésus qui a présenté comme étant un second Moïse, et nous savons que la Bible a dit nous, Moïse c'était quand même un homme très fort, très patient. Il n'était pas légal du Christ. Oui, d'ailleurs, nous avons essayé, puis Moïse, nous avons fini à un moment. Mais on nous avance, on ne nous fait pas encore. Alors, qui manière un jour est bon? Et ça, qui jour tu as là, qui est bon, qui est si bon et petit? Oui. Alors, généralement, léger traduit par bon. Ouais, bon, oui, léger par bon. Oui. Généralement, quand on a le bœuf, là, les cagades de là, les tulés de là, il n'y a pas de cagades ça de mauvais oeil, de bon oeil. De bon oeil. Donc maintenant, l'homme, hein, dans l'illustration ici, hein, parce que Jésus, maintenant, et puis consentement, l'homme l'est placé, jour là, en les coule l'homme pour mener vers la vie éternelle. Ça, c'est l'objectif, bon Dieu. Mais Jésus a précisé, pas craindre d'y accepter jour là. Pas craindre d'y accepter. Parce que, ironiquement, en l'acceptant, au lieu où fatigué, ou qu'il est léger. Au lieu où qu'il perd force ou qu'il renouvelé. Parce que jour là, c'est moi-même. Oui. Parce qu'il faut oublier nos obligations que marcher et puis Jésus, ce n'est pas facile. Ouais. Puisque ou qu'il tombe, ou qu'il trébuche. Mais le plus important, c'est qu'il est toujours. Il est toujours là. Il est toujours là. Et puis mieux encore, il a. Et puis, il a précédé, il nous vend. Et il a mis les pieds là, il a laissé ma pied, là, il a laissé empreinte. Et c'est pour ça, la Bible a dit nous que ta parole, c'est un lampe en pied, un lumière en les sentiers. Mais la meilleure manière pour découvrir la personne de Jésus, c'est la Bible. Et nous ne pouvons pas cesser de dire que la Bible, la parole de Dieu, c'est règle de foi et de conduite. Nous allons prendre Galates 5, verset 1. Et puis nous avons fait dernier point après ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ah, nous allons apprendre que la servitude, c'est un joug aussi. Oui. D'accord? Nous allons apprendre cela. Donc, le joug de Jésus-Christ qui amène nous vers la liberté.
hein, vers l'épanouissement et vers le salut. Tandis que les jougs de la servitude, c'est quoi? C'est les fausses croyances, hein, c'est les superstitions, c'est les mauvais traits de caractère. Ça nous a trouvé à dans Galates 5, hein, oui. verset 19. Alors, les Paul n'a pas parlé là, Paul n'a pas parlé là, et de la loi bon Dieu. Non. Parce que en le monde, tu as fait référence à l'obéissance à la loi de Dieu. C'est ça, la loi, les 10 commandements. C'est ça. Et c'est pourquoi ni non. en l'eau et religion qui rejeter la loi en disant que eh ben il va venir en fardeau, mais il oui. va venir en joug et tu ne peux pas porter. Mais oui, mais le verset 2, écoutez bien, Paul a dit ici, voilà, voici, moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Nous croyons que ce n'était pas la loi morale des 10 commandements, ici, mais c'est les lois cérémoniales concernant la circoncision et les rites maintenant qui étaient qu'à préfigurer la première venue de Jésus, ces juifs là, ces traditionnalistes qui ont conservé. Ça n'a rien à voir avec la liberté que le Christ a proposé nous. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, donc, nous allons finir le dernier point là. Et qui a parlé de charge, ma charge légère, etc. Nous savons que le Moïse a quitté l'Égypte et puis le peuple là. Et puis le peuple là, il est arrivé là. Il a demandé Moïse, donc, venir pour faire et juger le peuple là. Oui. Et bas conseil, etc. Ça a fait. En somme travail colossal. Le Moïse commençait du matin au lever du soleil, le soleil qui a couché, Moïse là qui a un petit plein de petits barils. Par exemple, tu as là, prends un site pour être volant, pour là, etc. Les beaux pays, ils font des manches par côté Moïse. Est-ce que vous pouvez parler nous de ça? Oui, j'ai trop. Nous avons lu ça dans Exode chapitre 18. Et là où Jéthro fait bah, là, reconnaître que Jéthro, maintenant nous pas qu'à y considérer Jéthro comme étant un ancien, un dirigeant, peuple bon Dieu. Mais Jéthro gardé et observé, puis il ben, y a un conseil. Il dit comme ça, travaille là ou quoi entreprendre là, ou quoi épuisé, quoi, ou quoi mort avant là. Et finalement, choisis des hommes qui craquent bon Dieu. Hein? Et tu as nous confiance de et puis divisez chef de 10, chef de 100, chef de 1000, et puis donc. Bayo charge là, et puis les choses les plus importantes pour que je vais là. Alors, essayez de mettre le contexte là devant ces mon nom. Moïse, c'est un monde était bon Dieu qui a parlé, et puis face à face, face à face. Et puis à présent, pour regarder, c'est Jéthro qui a venu exhorter Moïse. C'est un étranger à la carte de vie israélite. Oui. Alors, qui manière pour qualifier Moïse par rapport à conseil là, Jéthro? Tout à l'heure, nous lit que Moïse. C'est qu'à Jésus, c'est qu'à maintenant faire second Moïse. Et Moïse, Moïse n'a ni patience, et Moïse n'a ni humilité quand même. Oui. Et là, il accepte le conseil là. Oui. Il accepte le conseil là. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit les pasteurs, les dirigeants, les patrons et les responsables de département, des fois, et donc, aller bah, un conseil, qui ça peut dire là, aujourd'hui? En très peu de vie, m'en a vécu. Dans la religion de l'adventisme, moi j'ai remarqué que il n'y a un lot de dirigeants qui commettent en l'erreur de centraliser leur pouvoir ba yo. Si on centralise leur pouvoir, ce soit yo ou bien moun ki pi pre yo a qui l'a seulement, et alors que tout le respect là qu'a subi maintenant. Alors moi j'ai dit un pouvoir partagé, ouais, un service partagé, un tâche partagée qui a allégé beaucoup plus le fardeau. Hein? Beaucoup plus les fardeaux. Et mon cas, inviter tout ce monde à considérer le conseil-là, j'ai trop bas. Qui vous pasteur, qui vous premier ancien d'église, qui vous dirigeant d'église, qui vous dirigeant. Et nous avons observé que le monde, il semble qu'il y a une sagesse parce que nous, parce qu'il y a ni un grand conseil avant le président prendre une décision, il y a un grand conseil de continuatif. D'accord? Oui. Alors, moi, j'ai espéré que le conseil là peut servir nous aussi. Tant nous finis grâce à porter le fardeau de celui qui a chuté, signifie l'aider à se relever, c'est important, pour lui permettre d'entrevoir la grâce divine. Oui. Mais cela signifie aussi nous aider mutuellement quand nous traversons des difficultés. Le terme grec traduit par fardeau ou charge peut désigner un poids lourd ou une pierre. Il nous rappelle que nous portons plus des fardeaux et que nous avons tous besoin d'aide pour les porter. Dieu ne nous demande pas de partager mutuellement nos charges, ce qui nécessite une grande douceur et un esprit de compassion. Oui, Dieu nous demande, Dieu nous demande de partager mutuellement. Et c'est important. Oui. C'est important. Maintenant, nous savons que
point du repos, c'est en Jésus. Et si nous pas fait en vraie connexion avec Christ, nous ne pouvons pas ces qualités là pour avancer par la foi. Et c'est raison pour laquelle Jésus vient. Sans laisser nous finir, c'est vous qui avez prié pour commencer. À nous prier. Papa Dieu, nous avons dit merci pour l'opportunité ou ben non, l'occasion de ouvrir la Bible. Et puis écoutez ou parlez ben nous. S'il vous plaît, aidez-nous de ouvrir chez nous. Yes. Et puis mettez en dedans nous l'Esprit Saint. Pour nous faire ça être humble, rempli de douceur, et puis pour nous faire comprendre que nous pouvons prendre n'importe conseil du moment que il a fait nous dit bien, et puis c'est pour faire avancer l'œuvre là. En tout cas, nous t'en appelle là, nous sommes faudoa, il doux, il léger, et nous les prend nous et puis ben nous jouons la direction pour ce chemin, parce que chemin c'est Jésus, c'est grâce nous commander en nom Jésus. Amen. Amen. Amen.